Voilà 2 ans qu'il a commencé ce voyage. Une sorte de constipation. Mais maintenant, c'est pour demain matin. Je suis soumis toute la journée à une sorte de projection à distance. On cherche mon regard. Quelques lignes seulement et déjà je tue ce voyage. Je le croyais si grand. Non, il fera des pages, c'est tout. Voyons, 30 ou 31 jours en décembre. 2 ou 3 jours qu'on est en mer. Dans l'anti-calendrier de la mer. Savez-vous, monsieur, à quelle distance extrême les mouettes peuvent voler au-dessus de l'océan? ~350 km. On a vu les dernières hier matin. Ha 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 ha
Excuse me. Haben Sie Phosphorus? No tengo, caballero. But I have un briquet. C'est fou comme cette damnée planète peut être embêtante. Avec ce peu de tout qu'elle possède, il y a des endroits où elle est tellement bien expurgée de toute surprise qu'on se demande où est notre vraie place et de quel autre globe nous sommes la misérable banlieue. Hein? C'est Atlantique. Il me semble que j'y suis depuis 100 ans. Dire que peut-être 25 millions de poissons nous ont vus passer, Boss Coupe. Ils ont vu ta quille stupide. Dieu sait avec quelle réflexion. Et je ne compte que les adultes. Et nous, on n'a rien su. On n'a rien vu. Rien de tout ça. Boss Coupe. Grand aveugle qui traverse l'Atlantique. On serait dans un sac, ce serait pareil. Je comprends que beaucoup de bateaux finissent au fond de l'eau. C'est ce qu'ils méritent. Pourquoi toujours se mettre au-dessus de la nature, hein? Jamais dedans. Quelle inertie, le monde. Et ce voyage, où est-il, hein? Ventilateur. Ingratitude si je n'en parlais pas. Celui-là me regarde en face, sur l'œil pinéal exactement. Il m'en jette plein la vue. Et puis il se détourne, par coup de tête. Il me dédaigne, de plus en plus. Absolument. Et le voici qui revient, petit à petit, comme si je valais après tout encore un supplément d'examen. Il me regarde en plein de tous ses yeux. Mais le dédain étant sans doute le plus sûr de sa nature, il se détourne encore et s'en va, et ainsi fait-il 100 fois, dans le temps que j'écris quelques pages. Et l'autre, il a l'air de celui qui retouche. Il jette son œil circulaire sur la besogne de l'autre et travaille tout en inspectant, comme font les bons inspecteurs. Avez-vous remarqué comment on s'approche volontiers de l'eau? C'est que ça n'est jamais ridicule. Ça ne compromet jamais personne. Et puis ça vous laisse penser. Tandis que arbres, prairies, montagnes, ça a son idée et ça le dit à fond. Ça vous oblige à participer. Océan, quel beau jouet on ferait de toi. Ferait. Si seulement ta surface était capable de soutenir un homme, comme elle en a souvent l'apparence stupéfiante, son apparence de pellicule ferme, on marcherait sur toi. Les jours d'orage, on dévalerait tes pentes vertigineuses. On irait en traîneau, ou même à pied. Il aurait du grand celui qui s'aventurerait seul. Seul sur une grande vague de l'Atlantique. Seul avec une chèvre. Ou avec son âne. Et un sac de biscuits de chaque côté de la selle. Ou comme dans les temps d'autrefois, en caravane.
en nombreuses caravanes. Quel désert! Ce désert haletant, vaste horizon tout à coup ouvert au patinage à roulettes. Mais malheur à celui qui perd une roulette. Et c'est vite fait, ça se détache. Une vague la prend, une autre la reprend, et allez courir après, roulant vous-même avec trois roulettes seulement. Malheur à celui qui casse une de ses roulettes dans la tempête sur la mer Caraïbe. Un répit d'une minute. Si seulement il avait le temps d'ajuster sa roulette de rechange. Mais les vagues sourdes comme des peaux. Mais les vagues sourdes comme des empereurs. Mais les vagues sourdes comme des montagnes le prennent comme elles le trouvent. Le prennent avec ses trois roulettes et les morceaux de l'autre. Le prennent de haut et avec rire et l'enlèvent et se le passent entre elles et s'amusent beaucoup. Sous son pull au vert, tressaillant, les côtes se sont rompues. Le sang apparaît dans sa bouche avec sa façon de dire que c'est grave et qu'il faut appeler le médecin. Mais quels sont les médecins préposés à la mer Caraïbe? Il observe s'il y a quelque part un feu. Un être quelque part. Rien. Un espion quelque part. Rien. Un bruit quelque part. Rien. Ambulance et infirmière qui arrivaient trop tard avec votre parfaite propreté. Le voici, le jeune homme. Le voici, comme il est. Et la mer, sur ce, s'était faite douce, comme une brise légère. Qui connaît une mer, connaît la mer. De l'humeur, comme nous. Sa vie à l'intérieur, comme nous. L'océan est la répétition d'un peu d'eau. La répétition considérable. Or, rien sur notre planète n'est attachant comme la mer.